beachclub.mov en ce dimanche. Très belle journée. Anthony Horn qui est avec vous. Et aujourd'hui, avec nous, comme DJ international, nous avons Avicii directement de la Suède et les Bingo Players un peu plus tard de Hollande. Un gros party, ça se passe tous les dimanches ici au beachclub.mov. Julie Bonbriand, une des barmaids ici au Bishop de Pointe-Calumet, reconnue à travers la rive nord. On va y parler dans quelques instants, savoir c'est quoi son beat, c'est quoi son feeling. Comment ça va? Ça va super bien! Parle-moi un petit peu de l'ambiance du beach, être à l'extérieur, être barmaid durant le jour. Ah, c'est vraiment le fun, le jour, la dynamique est vraiment différente, fait soleil, tout le monde est de bonne humeur, la musique est super bonne, j'adore ça. Ça, c'est ta première été comme barmaid officiel au beach. Oui, puis avant aussi, je serais venue bien avant. C'est vraiment le fun. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent une journée comme un dimanche? Ben oui, ouais, ça rentre tard parce que tout le monde est sorti la veille, mais quand ça commence, le party est vraiment hot. Entre les beaux bonhommes, la plage, le soleil, la musique, c'est qu'est-ce qui est le plus trippant? Travailler avec une super bonne équipe, c'est tous des barmen d'expérience, fait que ça va super bien. Les clients, tout le monde est le fun, la musique, c'est débile. Fait que vous pouvez venir nous voir tous les dimanches pour les staffs. Sinon, on a maintenant les nouveaux lundis. C'est ça que je voulais dire. Puis on a maintenant les lundis Palm Industry avec A2Z en promotion. C'est tout le monde de club les lundis après-midi. Ça commence dès le 21 juin. De Pointe-Calumet, ça se passe tous les dimanches avec nos barmen invités, reconnus de la scène de l'industrie du nightlife, présentement avec Pierre Boudreau. Allô Pierre, comment ça va aujourd'hui? Toujours bien, toujours bien. Parle-moi de l'ambiance de travailler un dimanche sous le soleil au beach. Toujours fou, gros soleil, du beau monde, le monde trip, quoi demander de plus, franchement, là, wow! Et parle-moi la différence entre travailler dans un club et travailler le jour au beach. Ben, c'est pas pareil, c'est vraiment une autre ambiance, un autre monde, c'est décontracté, le monde, les pichets et tout, c'est vraiment deux mondes différents. On recommence à n'importe qui de venir voir ça. Okay. Et puis, qu'est-ce que t'aimes le plus? Les belles femmes, la musique, le soleil, c'est quoi? Ce qui est plat, petit, il y a tout. Il y a les belles femmes, il y a le beau monde, la musique est bonne, on est dehors. Pas de mieux. Allez, merci beaucoup, Pierre. On se revoit bientôt. Sherlock, un vétéran du beach club de Pointe-Calumet. Dis-moi, comment c'est différent de faire des DJ au beach club comparé à un club? Ben, premièrement, on est dehors. Il y a le soleil, la plage, les filles en bikini, les gars en maillot de bain. C'est ici pour avoir du fun, c'est l'été. Tout le monde aime ça l'été. Puis toi, quelle philosophie que tu prends de différent que quand tu fais dans un club, quand tu es au beach club? Ben, au beach club, on joue pour toutes sortes de clientèles. On va jouer pour la clientèle plus jeune, on va jouer pour la clientèle plus vieille. C'est vraiment le crowd le plus varié qu'on peut avoir dans un club ici, c'est au Beach Club. Puis comment tu décrirais une journée quand il y a ben du monde puis que ça trippe? C'est la folie, c'est le party, point final, il n'y a rien d'autre à dire. Ben cool, ben merci beaucoup DJ Sherlock. Vas-y. How are you guys doing? We're good, man. A bit tired, but we didn't get any sleep last night, but we're good, man. The weather's beautiful, so. So, how long did it take to get here? Yesterday we played Vancouver, so like 5 hours or something. We didn't have any sleep, so. Tell me a bit about your style, what you're gonna be playing today. I think we'll be playing all kinds of stuff. Like a mix, you know, from groovy stuff, techy stuff, vocal stuff, banging stuff, like just what the crowd wants, man. Like, yeah.
Yes, yes. Basically, tell me a bit about your philosophy. Is it more you play a certain style that you want, or you go with the crowd? What do you guys like doing? I think it's like a mix. Of course, we always play like a couple of our own tracks in our sets, you know, like the hits and some new stuff we came up with. And then it's just also you feel the crowd, you know. Not like today it's like sunny. You have to play some happy, good tunes for the girls, you know, in the bikinis, and they like it. And so, what do you guys prefer, remixing or creating? Creating, I think, yeah, because when we do a remix, you always have to use a vocal or use a sort of part of the track. And when you're creating it yourself, it's just like no boundaries, you know. So. Avicii, all the way from Sweden, right here at the beach of the Puente Lumière. Avicii, how are you? How was your set? It was amazing. I fucking love this place. What did you like the most, playing outside, in front of the crowd, in the sun? I mean, just the vibe in general. It's very relaxed and they're very into it, you know what I mean? When the sun is shining and everyone's just having fun, you know? Tell me a bit more about your style. What do you like playing, and the crowd reacted well? Well, I like to play. I'm a house DJ, so obviously I like to play mostly house. But like here, I like to go like a bit harder sometimes. It's just fun to see what happens, you know. Yeah, have you seen that? You went, as soon as you got the big beats in, the crowd just started standing and going crazy. Yeah. How is that interaction? How is that feeling when you're connecting with the crowd? It's amazing. Best feeling in the world. Honestly, that's why I'm in this profession, you know. Like that's why I'm, you know. That's why I love it. And tell me, what's the big difference between playing in a nightclub and playing during the day? Well, people are... It's all because people are more relaxed during the day. You know what I mean? People are just having... It's easier. They're having more of a good time. Exactly, yeah. Une journée au beach club de Puente Lumière. Aujourd'hui, nous avons eu Avicii de la Suède, les Bingo Players de Hollande. Et préparez-vous à tous les dimanches, tous les week-ends, des événements majeurs qui vont se passer ici sur le site. On vous dit tous les détails, commençant avec le jeudi, le 1er juillet, Canada Day, fête du Canada avec Benny Benassi. Le 17 juillet, Beach Party, c'est quoi? Le 18 juillet, Tiesto. Et le 14 et le 15 août, Ibiza avec un incroyable line-up de DJ. Le beach club de Puente Lumière, ça se passe tout l'été ici même.